Vous avez déjà mâché une graine d'orange? Si vous mâchez une graine d'orange, c'est amer. C'est amer. Les graines de raisin sont croquantes et c'est comme si tu mangeais presque un caillou. C'est quand tu croques ça, si tu manges ça. Là, c'est aussi amer en plus. Ils font des huiles essentielles, ils font de quoi avec ces graines parfois. Parce que ce qui est dedans est précieux. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais ce n'est pas au goût, ce n'est pas bon. La parole de Dieu est ainsi pour l'homme pécheur. Elle n'a pas le bon goût au début. Mais elle va produire la vie dans celui qui allait vers la mort. La parole de Dieu, elle doit te positionner jusqu'à ce que maintenant elle te transforme pour que ce qui n'était pas bon à ton palais devienne bon à toi. Tu sais comment l'utiliser, tu sais comment le rendre précieux. Les fermiers, c'est eux qui comprennent ce principe très bien parce qu'ils savent que les graines, certaines graines, ils doivent les garder précieusement pour les planter encore. Nous entendons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous récoltons beaucoup de choses. Nous récoltons beaucoup de choses. Et nous semons aussi dans nos vies beaucoup de choses. Quelle est la quantité de paroles que tu mets en toi? Quelle est la quantité de paroles de Dieu que tu mets en toi? Il y a les journaux. Il y a tout ce que nous pouvons suivre, comme disait le pasteur ce matin. Nous pouvons suivre plein de choses ici-bas. Mais quelle est la part de la parole de Dieu que tu mets en toi? Bonjour, peuple de Dieu. Ah, il faut vérifier que les gens sont éveillés. Hein? Même si avec la louange qu'on a eue, il n'y a pas moyen de dormir. Il n'y a pas moyen de dormir. Hein? Le Saint-Esprit, vraiment, il anime nos louanges et c'est vraiment merveilleux. Même quand on ne comprend pas forcément les mots qu'on est en train de chanter, mais... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver parfois dans une église où vous ne comprenez pas tout ce qu'on dit, mais vous sentez que l'Esprit de Dieu est là. Vous êtes béni. Vous pouvez aller en esprit vous-même et recevoir des choses. Et un conseil, si vous vous retrouvez une fois dans une église comme celle-là, où vous ne comprenez pas, si vous êtes, par exemple, vous voyagez dans un pays pour les vacances et vous allez dans une église où vous sentez que voilà où le Seigneur vous dirige, même si vous ne comprenez pas, priez en langue, vous allez recevoir aussi votre part. Et c'est vraiment le secret pour être béni de Dieu, quel que soit l'endroit, parce que Dieu est esprit et il nous parle en esprit et il nous bénit. Et je remercie pour celui qui a prié parce que il a prié dans le sens de ce que nous allons parler aujourd'hui, que nous allons manger la parole, que nous puissions la manger, que nous puissions l'ingérer. Pour revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, un petit rappel. C'est que, parce que nous allons continuer dans ce sens, la dernière fois, nous avons parlé de la loi de semer et récolter. Et c'est une loi fondamentale. Si on veut comprendre le fonctionnement de ce monde, de l'univers, si nous voulons comprendre la manière que les choses fonctionnent, nous devons comprendre que le monde que Dieu a créé, pas le monde que les scientifiques racontent, même s'ils doivent avouer qu'il y a des lois, mais le monde que Dieu a créé, que la Bible nous dit, ce monde-là, c'est un monde qui fonctionne avec le gouvernement de Dieu, qu'on soit au courant ou pas. Ça fonctionne avec le gouvernement de Dieu. Et Dieu, il a mis des lois en place qu'on peut observer et que les hommes ont observées, même ceux qui ne sont pas de Dieu, ils l'observent. C'est la loi de causalité ou bien de cause à effet. Certains l'appellent comme ça. Alors, dans certains milieux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas bibliques, on parle de karma. Mais cette affaire de donc ou bien le dicton qui dit ce que l'on sème on le récolte, ça vient de la Bible. C'est un dicton que les gens disent. Hein, ils disent que c'est le karma ou bien que ce que tu fais aux autres c'est ce qui va être fait envers toi. Ça c'est des paroles que Jésus a souvent dit et que les gens ont pris ont détourné ou bien ça c'est la loi d'or hein, donc qui est connue de partout dans toutes les religions c'est repris. Mais c'est un principe de Dieu. Tu fais aux autres tel que tu veux qu'on te le fasse. Mais ici, nous allons voir la loi qui régit tout cela. Et nous l'avons vu la dernière fois d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment l'employer, comment l'utiliser pour que ça fonctionne pour nous. Et donc, juste pour un petit rappel, la dernière fois, nous avons vu la semence. La semence, nous avons parlé de la semence. Qu'est-ce que c'est?
J'avais dit que nous avons 86 400 secondes par jour, ou bien 86 400 graines qu'on peut planter dans quelque chose, qu'on peut planter en nous-mêmes, qu'on peut planter dans la vie de quelqu'un d'autre, qu'on peut mettre dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Quand on interagit avec nos enfants, on est en train de mettre des graines, des semences qui vont pousser en eux. La semence est une parole. La Bible dit, nous avons vu dans Marc 4, la parabole du semeur que Jésus dit, il a dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous n'allez comprendre rien du royaume de Dieu. Parce que c'est la loi fondamentale du royaume de Dieu sur terre. Donc, c'est le fonctionnement. Encore une fois, le royaume de Dieu, c'est les principes du fonctionnement du royaume de Dieu. Donc, parce qu'il y a le royaume des cieux et il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est les principes qui font que ce royaume fonctionne. C'est la parole de Dieu. C'est le fonctionnement de la parole dans notre dimension, mais aussi dans la dimension supérieure et même dans la dimension inférieure. Enfin, toutes les dimensions d'existence, toutes les dimensions de création sont et fonctionnent avec ces lois. Pour ceux qui aiment tout ce qui est la science, vous connaissez les fractales. Les fractales, c'est quelque chose qui se répète. Plus tu zoomes dedans et plus tu vois la même chose. Tu zoomes et tu vois encore la même chose. Tu zoomes et tu vois encore la même chose. Cette loi fonctionne comme ça. Ça fonctionne dans le très grand et ça fonctionne dans le très petit. La loi de causalité. Il y en a dans la thermodynamique, ils disent aussi que c'est toute énergie, toute force ne se gaspille pas ou bien quoi, ça se transforme. Mais en général, en fait, donc les transferts d'énergie et ainsi de suite, il y en a. Les gens ont pris cette loi et l'ont exploité et ils ont essayé de la disséquer. Mais aujourd'hui, nous allons voir en quoi la Bible en parle. Et nous allons voir que la Bible est parsemée, justement. La Bible est remplie de ceci. Et nous allons regarder surtout dans le Nouveau Testament, même si pour les nations, nous pouvons regarder dans l'Ancien Testament. Parce que ça s'adresse nous avons vu que ça s'adresse à l'humain, l'individu. Ça s'adresse à la famille, le couple. Ça s'adresse à la famille, donc le couple et les enfants, ça s'adresse à la société ou bien l'ensemble des familles qui composent la société, ça s'adresse au système de gouvernance, donc les gouvernements à différents niveaux, ça s'adresse aux nations entières. Et c'est pour ça que Dieu même arrive à juger les nations et qu'il juge sans faute. Donc, c'est une loi, comme j'ai dit, c'est une loi qui se perpétue partout. Et on a dit, donc, on a vu que la Bible dit que la semence est une parole. On a vu que la terre, c'est soit nous, la personne, et ça vous pouvez lire dans Ésaïe 61:11, que nous sommes, donc Dieu, il envoie sa parole sur la terre, et la terre va faire germer la parole, et ça va amener le salut et la louange à Dieu. Ça, c'est un petit rappel. Donc, nous sommes la terre, et la parabole du semeur nous rappelle que nous sommes la terre, et notre conditionnement mental, c'est la terre qui définit la qualité de cette terre. Il y a quatre types. Vous pouvez aller lire ça, on va pas revenir dessus, on l'a lu la dernière fois. Donc, c'est des petits rappels pour voir comment ça fonctionne. Et on avait établi tout ça. Et que la loi donc de semer et récolter, voilà, c'est le fonctionnement du gouvernement céleste. C'est-à-dire que même quand Christ va venir régner ici-bas, c'est cette loi qui va fonctionner. Elle fonctionne déjà, sauf que c'est quelque chose qu'on peut remarquer, mais si on n'a pas lu la Bible, on ne sait pas pourquoi. Mais depuis la création, on l'a vu aussi, depuis la création, dès Genèse, dans Genèse 1, quand Dieu crée les plantes, il dit avec leurs semences, les arbres avec leurs fruits et la semence dans le fruit, et aussi les feuilles, les herbes avec leurs semences. Donc, c'est parce que nous sommes dans le temps, c'est parce que aussi nous sommes dans la matière, c'est une loi qui touche l'esprit, qui touche l'âme et qui touche la partie naturelle, bien le côté physique. Donc, ça, c'est interdimensionnel, cette loi. Et aujourd'hui, nous allons voir la partie qui touche l'esprit et l'âme. Parce que l'esprit et l'âme est supposé gouverner maintenant les actions du corps. Et nous allons aller dans Colossiens, chapitre 3, verset 2. Donc, Colossiens. Ah oui, aussi, en allant d'abord aux Colossiens, je peux vous rappeler que si vous voulez retrouver le texte qu'on avait utilisé la dernière fois,
c'est on ne se moque pas de Dieu, ce que l'on sème, on récolte. Ça, c'est dans Galates 6, 3 et 4. Donc, vous qui êtes là et qui suivez ce moment, si vous pouvez aller retrouver l'enregistrement. Mais aujourd'hui, nous allons aller maintenant un peu plus loin. Alors, dans Colossiens 3, versets 2 à 4, nous allons lire. On peut même commencer au tout début. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Ce qui est important, c'est le contexte. « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ces quatre versets, même si voilà, je disais 2 à 4, mais on peut carrément utiliser les 4, nous donnent le contexte pour nous qui croyons en Christ. Et si vous ne croyez pas en Christ, on va vous indiquer comment vous pouvez croire en lui. Mais vous allez comprendre à travers ce message comment justement arriver à croire en lui et à le plaire. Parce que Christ est Dieu, et si il faut vivre dans cette vie et que nous apprenons à comment semer pour avoir des récompenses célestes, qui est le titre d'aujourd'hui, comment semer pour avoir les récompenses célestes ou bien pour la vie, comment semer pour la vie, nous allons devoir comprendre qu'il s'agit de Christ. Et donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, est-ce que c'est votre cas? Ça, c'est numéro un. Cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes réconcilié à Dieu, ou bien ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est positionné maintenant pour renforcer votre foi, là, à la droite de Dieu. Et le fait qu'il est là, vous devrez maintenant vivre selon son standard. Et nous allons aller directement, dans quelques secondes, nous allons aller voir c'est quoi les standards de Christ. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ayez donc, dans d'autres versions, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je préfère ça parce que ça me parle plus. Hein, affectionnez. Donc, mettez votre âme dedans. Aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Le pasteur vient de nous rappeler que voilà, il y a la méchanceté sur la terre. Et c'est vrai, nous le voyons tous les jours. Mais si on se focalise sur ça, c'est ce qu'il a dit. Si on se focalise sur ça, mais on va être désemparés. On va paniquer. La Bible dit même dans Matthieu 24 que les hommes, leur cœur va lâcher à cause de la peur des choses qui vont arriver. Juste l'imagination des choses qui peuvent arriver font qu'ils vont perdre leur vie. Juste les arrêts cardiaques. Et ça arrive déjà. Dernièrement, j'ai lu, et les gens qui se focalisent sur les choses terrestres sont vraiment des victimes potentielles s'ils ne changent pas leur attitude. J'ai lu un article dernièrement dans un des journaux sur Internet, un homme qui était père de famille avec deux enfants, il s'est suicidé, je pense qu'il est en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la maison qu'il voulait acheter. Il avait déjà déposé 10 000 euros et à cause d'une histoire de... Il voulait, dans le contrat d'achat, il voulait modifier quoi? Il voulait modifier la barrière. Il voulait que ce soit plus haut, simplement. Et donc, il voulait mettre ça dans le contrat ou quoi? Ils ont dit non. Ils ont revu le contrat. Ils ont même remis la maison sur le marché. Ils ont vendu. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Le monsieur s'est suicidé à cause de ça. Ça, c'est quelqu'un qui est focalisé vraiment sur la terre. La terre, même concrètement, sur les briques, quoi. Il avait mis toute son énergie pour peut-être garder cet argent, il s'est privé de vacances, il s'est focalisé sur cette maison, et père de marié, un bon père, un bon mari, d'après ce que c'est écrit. Mais je me pose des questions, parce que comment tu peux être faible comme ça? Mais voilà, quand on se focalise sur les choses de la terre, voilà les conséquences. C'est déjà une récolte d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise semence en lui. Mais voilà, nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Voilà, c'est là notre salut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voici la raison. Pourquoi on doit se focaliser sur les choses d'en haut? Parce que nous sommes morts. Alors, quelqu'un qui regarde là, qui nous suit peut-être là sur Internet pour la première fois et qui entend ça, mais on est mort. Mais non, mais vous êtes en vie, mais comment vous dites que vous êtes mort? Il s'agit de la mort de l'ancien homme. Il s'agit de la mort de celui qui était focalisé aux choses terrestres,
qui regardait sa carrière seulement pour se définir, qui regardait combien de filles il a pu rencontrer. Là, je parle pour les hommes ou bien pour les femmes, mais bon, ces jours-ci même n'importe, parce que les gens font tout et n'importe quoi. Qui regarde finalement à ce qu'il a fait, sa performance sur la terre pour se définir. Sauf que personne n'est parfait. Et ça, c'était notre ancienne vie. Hein? Il y en a, je sais que parfois dans les universités, ils vont dans les bars, ils disent combien on peut boire, on peut boire tout un casier ou pas, combien de fûts on peut descendre de 5 litres jusqu'à que tu tombes par terre, ou des histoires comme ça. Ou bien, combien d'argent je peux gagner pour être le top, le number one. Et puis tu arrives number one et tu as tout perdu. Ou bien tu as triché pour être number one comme certains ont fait, et puis après on les a découverts, les sportifs. Ils voulaient être numéro un. Ils se focalisaient sur les choses de la terre. Et c'est bien de faire des activités physiques, c'est bien même de faire de la compétition. Il y a beaucoup de principes, de disciplines à acquérir dans ces choses. Mais si tu le fais pas pour la gloire de Dieu, et donc, tu rajoutes tricherie, tu rajoutes quoi? Tu sais que tu as gagné en trichant. Tu es foutu. Mais je ne veux pas aller trop loin, mais voilà. Donc, nous sommes morts à cela. Nous sommes morts à se focaliser sur les choses de la terre. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas automatique. Hein? Et nous voyons que si nous allons voir qu'il y a une persévérance à avoir pour que ça produise des bons résultats. Le résultat, c'est quoi? 4, verset 4. Donc, d'abord, avant d'aller au verset 4, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous voit à travers Christ. Donc, Dieu nous a acceptés dans sa famille. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, comme dit 1 Jean. Et nous sommes cachés en Christ. L'homme, si quelqu'un cherche l'ancien Joël, il va pas le trouver. Ou en tout cas, il n'est pas supposé le trouver. C'est ce que dit cette parole. Si quelqu'un veut me trouver, il doit chercher ailleurs. J'ai une autre adresse. Je ne suis plus le Joël d'avant. Je ne suis plus le Joël qui était accro à certaines choses, à la pornographie. Je ne suis plus Joël qui avait des problèmes sur son identité, c'est-à-dire de comment il se voyait, à se mépriser ou bien à mal penser de lui. Je ne suis plus le Joël qui peut-être avait la colère tout le temps, même si, bon, on y travaille, mais ça, c'est pas tout le temps, mais donc, qui ne maîtrisait pas ses émotions ou des choses comme ça. Je ne suis plus celui-là. Je suis celui qui est renouvelé. Tout celui-là, il est mort. Il est mort. Et voilà. Si tu triches encore, si tu fais toutes ces choses, tu n'es pas encore mort complètement. Même si tu as accepté Christ dans ta vie, il faut que ces choses meurent quotidiennement et que tu sois caché en Christ pour que quand l'ennemi te cherche, il ne trouve que Christ. Ah, là, il ne peut plus te toucher. Donc, et la récompense de cela, ou bien la moisson de cela, parce que si tu sèmes tout ça, si tu as compris que Christ est ressuscité et que tu es ressuscité avec lui, si tu as compris qu'il est assis à la droite de Dieu, et si tu t'attaches aux choses d'en haut, et nous allons voir c'est quoi ces choses d'en haut, parce que c'est un peu illusoire là, comment on peut comprendre ça? Tu vas comprendre et tu vas recevoir. 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ça, c'est une promesse. Le pasteur, ce matin, dans l'exhortation, il a dit, nous avons des promesses, nous devons nous attacher à ces promesses. Et ici, il y a une promesse. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour tout chrétien, pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu, pour tout citoyen du royaume de Dieu. Voici ce à quoi on doit aspirer. Est-ce que quand Christ paraîtra, je vais paraître avec lui dans sa gloire, dans la gloire? Est-ce que je vais faire partie de ceux qu'il représente en lui? Parce que nous sommes le corps de Christ. Donc quand il va paraître, tu parais avec lui parce que tu fais partie de son corps. Alléluia. Et nous allons un peu plus bas dans le chapitre, nous allons au verset 16 directement. Alors, ici, à la suite, verset 5 jusqu'à verset 16, il y a toute une explication de ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. Mais j'ai envie de me focaliser sur ce que nous devons faire aujourd'hui. Parce que souvent on parle de ce qu'il ne faut pas faire, et c'est vrai. D'ailleurs, je vous conseille de lire tout le chapitre, et même tout simplement toute la lettre, toute l'épître aux Colossiens, et toutes les autres... Il faut lire toute la Bible, les amis. Mais nous allons venir à l'essentiel aujourd'hui.
Au verset 16, Colossiens 3, 16, « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse » ou habite, dans une autre version, « habite en vous abondamment ». Oui, Colossiens chapitre 3, verset 16. « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, » voilà, ça ce sont des semences, « faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ces deux versets nous montrent comment ça commence à être un début de comment mettre ça en pratique. Ça semble très, très simple, vous qui êtes dans la foi depuis longtemps, mais c'est bon de se rappeler. C'est bon de se rappeler. Le monde sera sauvé par la répétition de la parole de Dieu. Hein? Donc, c'est des choses qui semblent simples, mais si vous voulez comprendre la matrice, si vous voulez comprendre le fonctionnement, l'invisible qui tient toutes ces choses, qui tient tout le monde entier vivant, c'est les promesses de Dieu, c'est comprendre la parole de Christ maintenant pour la vie, pour la nouvelle vie en Christ, la parole de Christ. Et ça, il faut souligner, la parole de Christ. C'est quoi cette parole de Christ? La parole de Christ. Quand on vous dit, cherchez à comprendre la parole de Dieu, ou bien chercher le royaume de Dieu, ou bien chercher à faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Souvent, on le dit, on prêche, on dit, non, il faut aller dans la parole, il faut aller dans la parole, c'est la parole, c'est la parole. Si il faut, Jésus l'a dit, la loi et les prophètes parlent de moi. Donc, ce que Jésus a dit résume toute la loi de Moïse, tous les prophètes de l'Ancien Testament, si ça se résume et c'est synthétisé, c'est concrétisé en Christ, c'est incarné en Christ. Ses actions, sa vie, ses paroles. Donc, si on veut comprendre la parole de Christ, il faut aller voir la vie de Christ. Et je veux juste faire un rappel, et Jacques, il en parle, par rapport à comment ce mécanisme fonctionne dans nos vies. Et les hommes aussi ont remarqué ça. Ça commence par les pensées. Donc, les pensées qui provoquent des paroles, et les paroles ou bien des actions, des fois c'est en parallèle, des paroles qui provoquent des actions qui se répètent, qui provoquent des habitudes, des actions qui provoquent des habitudes, et les habitudes maintenant qui provoquent votre identité ou bien votre caractère, votre manière d'être. Si vous êtes indiscipliné, c'est parce que vous n'avez pas pris de bonnes habitudes. Et si vous n'avez pas pris de bonnes habitudes, c'est parce que vous avez fait des actions qui ne sont pas consistantes ou bien qui ne sont pas homogènes, qui ne vont pas dans le même sens. Vous êtes chaotique dans vos actions. Et si vous êtes chaotique dans vos actions, c'est parce que vous n'avez pas une pensée ou même une parole dans votre bouche qui est directive, qui est primaire, qui est principale. Et ça commence dans les pensées. Et je vous ai dit que la loi de semer et récolter, ça touche toutes les dimensions. Et au niveau de la pensée, c'est encore dans la dimension de l'esprit. Au niveau des paroles, c'est aussi spirituel, parce que la parole est esprit et vie. Mais la parole aussi peut être quoi? La mort. La Bible dit « choisis la vie ». Mais la parole peut, certaines paroles peuvent provoquer la mort. Parce que, on le sait, on le rappelle, les parents, il faut bien parler aux enfants, et ainsi de suite, parce qu'on veut semer. Encore une fois, il faut semer. Et on sème quoi? Des paroles. Et ensuite, on sème dans le monde physique avec des actions. Il ne se fait pas juste de dire des paroles. Celui qui a prié pour la parole ce matin, il a vraiment bien prié. Il a dit que nous ne soyons pas des gens qui entendent la parole seulement, mais il a dit que nous soyons aussi des gens qui pratiquons la parole. Et c'est ce que Jacques dit. Donc, le fonctionnement pour que les choses aient du succès, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Nous le savons. Je dis des choses qui semblent tellement évidentes, mais peut-être quelqu'un là en train de suivre qui n'a jamais compris ce principe. Si vous voulez comprendre comment la matrice fonctionne, hein, si là je fais référence bien sûr au film The Matrix, il y a le vrai fonctionnement de ce monde. Il y a le monde spirituel qui est invisible à nos yeux naturels, mais qui régit. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui sont les conséquences d'autres choses, des décisions qui ont été faites à bas niveau ou à haut niveau, que ce soit dans la maison, que ce soit entre un homme et sa femme, que ce soit entre les enfants, que ce soit dans la commune, que ce soit dans la nation, des lois qui sont mises en place, ça a toujours commencé par une pensée. Alors maintenant, la pensée vient d'où? La pensée vient d'où?
Et c'est ça qu'on doit chercher à savoir. Cette pensée que tu as et que tu continues à méditer dessus et que tu continues à avoir dans ta tête, elle vient d'où? Et c'est là où il y a le combat. Le combat pour l'humanité, c'est au niveau des pensées. Et tout le monde, en tout cas, ceux qui connaissent ça, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, Dieu nous a créés, il connaît le système parfaitement. Et c'est pour ça qu'il nous conseille, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mettez votre volonté, mettez votre passion, mettez votre envie, affectionnez-vous. Cherchez à comprendre les choses d'en haut. Ne laissez pas que vos pensées soient le fruit du hasard. Non, pas le fruit de l'algorithme, non. Positionnez-vous par rapport aux choses d'en haut. Alors ces choses d'en haut, ou bien à la parole de Christ au verset 16. La parole de Christ, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'on va voir. On y arrive. Jacques, il le dit comme ça. Je mets l'emphase parce que Jacques, il dit que dans Jacques au premier chapitre, vous pouvez lire de 19 à 25, mais il dit comment nous devons recevoir la parole qui a été plantée en vous. Encore cette fois, c'est au verset 21. Recevez la parole qui a été plantée en vous. C'est-à-dire, c'est encore cette idée du semeur. Qui sème cette parole? La parole qui a été plantée en vous, c'est en général un prédicateur comme moi ce matin qui parle des choses de Dieu et c'est en train de planter en toi. Ou bien aujourd'hui, on utilise le terme programmé. Qu'est-ce que tu programmes? Ton cerveau, tu le programmes comment? Qu'est-ce que tu mets dedans pour que ça puisse pousser et qui peut sauver vos âmes? Donc la parole qui est plantée en toi a le potentiel de sauver vos âmes. Mais pas juste comme ça. Non, parce qu'au verset 22, c'est « mettez en pratique la parole ». C'est ce que le frère, il priait ce matin. « Mettre la parole en pratique ». Et nous allons voir c'est quoi mettre la parole en pratique. Hein? Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Rappelez-vous qu'on a aussi parlé des forteresses. Les forteresses, c'est des faux raisonnements qui maintenant s'assoient dans nos pensées et qui y restent. Donc, les faux raisonnements, c'est ce qui font que les gens, ils peuvent lire la parole et puis ils vont commencer à dire ce qu'eux, ils ont envie. Au lieu de recevoir la parole, au lieu d'avoir de l'humilité, on a vu comment briser les forteresses, il faut avoir l'humilité et recevoir la parole pour qu'elle agisse comme un marteau pour détruire les faux raisonnements et pour mettre toute pensée soumise à Christ. Ici, maintenant, on est en train de voir comment la parole va agir en nous et comment on va la mettre en pratique. Mais il faut mettre en pratique quoi? La parole. Quelle parole? Nous allons y arriver. Mais il faut mentionner ceci. C'est des choses qui semblent évidentes pour les croyants qui sont là depuis dans le Seigneur ou quoi. Mais il faut se rappeler de ça parce que toujours, il y a quelque chose. L'Esprit de Dieu va toujours aller dans une zone de notre vie et qu'on a besoin de corriger. Il ne faut pas qu'on se trompe nous-mêmes. Il ne faut pas se tromper soi-même. Do not deceive yourself. Il ne faut pas se tromper. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, donc l'état qu'il était. Et ça, c'est donc verset 23, 24 et maintenant 25. Mais celui, toujours Jacques 1, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, il y a beaucoup de choses ici, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, il y a un enchaînement. D'abord, il y a le regard. Si vous êtes aveugle ce matin, déjà que Dieu vous donne la vue, mais le regard ici, c'est le regard de l'âme. Parce que tu n'es pas tout le temps devant ta Bible, mais il faut qu'à un moment, les paroles de cette Bible rentrent en toi afin que tu puisses les regarder avec ton imagination, afin que ton imagination puisse se focaliser sur la loi parfaite, la loi de la liberté et que tu persévères dedans. Il y a le temps, Dieu intègre le temps. Il sait bien que quand on sème une chose, ça prend un certain temps pour que ça se développe. Il faut que ça rentre en toi, que ça devienne un avec toi et que ça commence à produire. La graine, lorsqu'on la met dans la terre, elle meurt d'abord. Elle meurt, elle change de nature. Donc, son état qu'elle était, on dit que la graine meurt. La parole de Dieu, elle vient et c'est pas qu'elle meurt, mais quand tu l'as acceptée ou bien quand tu l'as entendue, elle doit maintenant se déployer. Elle, elle,
le Saint-Esprit vient, il insuffle dedans et il fait que maintenant, quand tu deviens un avec cette parole, il commence à donner des révélations nouvelles par rapport à cette parole-là. Et c'est pour ça que tu peux revenir et lire un passage et recevoir une nouvelle compréhension. Parce que la parole de Dieu est transformatrice. Elle fait appel à la révélation de Dieu. Si tu veux recevoir toute la parole, il faut faire appel à l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas juste lire cette parole comme un théologien un théologien sans l'Esprit de Dieu. Non, un bon théologien a besoin de l'Esprit de Dieu pour recevoir la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. Et la puissance de Dieu vient pour renforcer cette révélation. Alléluia. Et donc, il faut persévérer dedans. N'étant pas un auditeur oublieux. Dieu savait qu'il y en a qui écoutent et puis ça passe à autre chose. Mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux dans leur activité. Il y a beaucoup de pasteurs aussi qui sont misérables. Il y a beaucoup de gens qui sont attristés dans leurs activités. Mais ils n'ont pas lu le conseil que Dieu a donné à Josué. Il a dit, si tu médites cette parole jour et nuit, si tu la gardes devant tes yeux, tout ce que tu fais aura du succès. C'est difficile d'être malheureux dans son activité si tu n'as pas de succès. À moins que tu triches, encore une fois. Il y a des gens qui trichent, ils savent qu'ils ont triché, ils gagnent l'argent, mais ils ne peuvent pas bien l'utiliser. Ils ne peuvent même pas le donner à leur mère parce qu'ils savent que l'argent, là, c'est l'argent de la drogue. Ou alors, ils vont faire ça, mais au bout d'un moment, quelque chose ne va pas se passer. Parce que cet argent ne vient pas de source pure. Elle ne vient pas de source pure. Et Jacques, au verset chapitre 3 et verset 17, il parle de la sagesse d'en haut maintenant. Jacques chapitre 3 et verset 17. La sagesse d'en haut, ou bien la sagesse, c'est la parole et la révélation d'en haut. La sagesse, c'est ce qui accompagne la révélation. Parce que tu peux recevoir une révélation, mais ne pas avoir la sagesse pour comprendre comment la mettre en pratique. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de quoi? De duplicité et d'hypocrisie. Jacques 3, 17. Donc, nous voyons qu'il y a un système de Dieu. Et Dieu, non seulement l'information qu'il te donne est importante, c'est-à-dire, elle produit la vie, elle produit même le salut, c'est une germe, c'est une graine qui vient lorsque elle vient en toi et qu'elle s'intègre dans la terre que tu es, dans le système de pensée que tu es. Elle vient et elle va éclore, elle va s'ouvrir, elle va s'épanouir et elle va produire beaucoup de choses. Mais non seulement ça, elle va, donc la manière que tu dois la mettre en pratique, la manière que tu dois l'utiliser, suit un protocole très spécial. Pureté, paix, donc pacifique, dans la paix, modérée, donc dans l'équilibre, conciliante, donc elle n'amène pas des querelles. Elle amène la conciliante, donc elle concilie les gens bien, elle les réconcilie. Elle fait que les gens maintenant arrivent à être réconciliés avec Dieu et aussi avec l'homme. C'est le message de la réconciliation. Pleine de miséricorde, elle ne regarde pas la faute tout de suite. Elle cherche, c'est le principe de l'amour, tout est intégré. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Ça veut dire que quand on regarde quelqu'un qui a des bons fruits, on peut supposer que quelque part, il y a la sagesse d'en haut qui est en train d'agir en lui. Et même les non-croyants, et on les appelle les hommes de paix. La Bible les appelle les hommes de paix. Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui sont des hommes de paix, qui n'ont pas encore compris ou bien reçu la plénitude de Christ dans leur vie, mais qui ont dans leur cœur accepté qu'il y a des choses qui sont sacrées. Il y a des choses qui ont de la valeur, qui ont plus de valeur que les choses terrestres. Mais ils n'ont pas forcément l'adresse d'où vient cette sagesse. Ils n'ont pas forcément celui qui a mis cette sagesse. Donc, ils ne sont pas en relation avec Christ encore. Mais c'est des hommes de paix. Et ils sont dans tous les systèmes de croyances. Ils sont ouverts, ils sont humbles. Et là, nous venons maintenant justement au message de celui-là à qui cela est adressé, ou bien cet homme-là, cet homme et cette femme de paix, cette personne qui a envie de comprendre la sagesse d'en haut, cette personne qui a envie de comprendre ou bien de recevoir la révélation de Christ. Nous allons voir par où commencer. Allons-y dans Matthieu. Parce que, on a dit, il faut recevoir la parole de Christ. Donc, dans Colossiens, la parole de Christ. Qu'elle demeure en vous. C'est quoi cette parole de Christ? On dit souvent que la parole soit en nous. Que la parole, nous puissions la mettre en pratique. Mettre en pratique quoi? Nous allons voir où ça se synthétise. Matthieu 5. Alors, bien sûr, Matthieu 5, avant
Matthieu 5, 6, 7, jusqu'à oui, à la fin de 7, c'est le serment à la montagne des Oliviers. C'est les béatitudes, c'est les différents, les premières paraboles ou bien comment Jésus explique le royaume de Dieu. Ça commence ici. Le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne. Je dis la montagne des Oliviers, mais c'est le serment sur la montagne. Et donc, si vous lisez donc chapitre 5, 6 et 7, nous n'allons pas lire l'entièreté, on n'a pas le temps, mais c'est là où tout se synthétise. Tout se synthétise à ce niveau. C'est-à-dire que si vous voulez des semences qui vont gérer votre vie, pour que vous puissiez mettre en pratique, je vous garantis que si vous voulez, s'il y a des chapitres à avoir dans la Bible, c'est cela. Pour la vie pratique dans le royaume de Dieu. Je ne parle pas dans la religion chrétienne, dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Regardez, qu'est-ce qu'il dit au verset. Alors, je vous ai dit bien sûr Matthieu 5 à 7, mais vous allez voir que la motivation et l'autorité avec laquelle je peux dire cela, c'est quoi ? C'est Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24, allons-y. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, quelles paroles ? Tout le discours qu'il vient de dire. Ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et je saute directement au verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, donc tout le discours, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Donc, c'est la compréhension de Dieu. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Il n'enseignait pas juste des paroles. Il ne disait pas juste des paroles. Il enseignait avec l'autorité apostolique divine. Jésus est le premier apôtre. Il a été envoyé pour amener la vérité de Dieu sur terre. Il est venu et là, dans ce serment, il synthétise tout ce que nous devons faire. Parce que dedans, vous allez voir des passages, Moïse a dit, moi je vous dis. Parce que la loi de Moïse, elle était adressée à des hommes et des femmes qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ou bien qui n'allaient pas la voir tout de suite. L'Esprit de Dieu allait sur les prophètes de temps en temps. Mais Jésus ici, il synthétise tout et il dit comment nous devons vivre. Et d'ailleurs, il nous dit que nous serons semblables à un homme qui est prudent et qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, si vous écoutez ça, vous allez avoir, maintenant vous allez commencer à pouvoir semer. Et vous allez avoir, donc en suivant ces graines-là, en mangeant ces graines-là, voici la parole de Dieu. Voici cette parole que nous devons manger. Voici la parole, manger de ma chair, buvez de mon sang. Voici la chair là. La chair est ici. Jésus, il donne vraiment l'essence du royaume de Dieu dans Matthieu 5, 6, 7. Il donne, il synthétise. Si tu n'avais suivi que ceci, tu étais déjà assez avancé si tu arrivais à le mettre en pratique. Bien sûr, les gens, ils regardaient ça et ils disaient, mais comment on va faire ça? Dedans, il y a des messages. Et il dit, mais... Et nous allons y aller rapidement. Matthieu 5, 46, il dit, mais parce qu'il met en contraste donc la loi des hommes et la compréhension des hommes. Il dit, mais si vous aimez ceux qui aiment, quelle récompense méritez-vous? Par exemple, les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, saluez, hein, dire bonjour, même si... dire bonjour seulement, hein? Vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà la loi parfaite. Voici la loi parfaite qu'on a lue tantôt. Il y a une loi parfaite. Il y a une loi, si tu la suis à la lettre, tu deviens parfait. Pas que tu as toujours été parfait, non, loin de là. Mais tu peux aller vers la perfection. Tu peux aller vers ce qui est parfait. Et Jésus nous donne la clé. Il dit,
Il commence par l'état de l'âme. Il commence par les béatitudes, qui sont des états d'âme, qui sont l'autre manière d'être, de penser. Par exemple, heureux les pauvres en esprit. Mais pauvre en esprit, tu peux être pauvre en esprit sans savoir que tu es pauvre en esprit. Parce que simplement, tu as l'humilité de comprendre. Tu cherches à comprendre. Tu es pauvre en esprit. Et la Bible dit que tu vas recevoir le royaume des cieux. C'est-à-dire, si tu continues à être pauvre en esprit, si tu continues à comprendre, à savoir que tu n'as pas tout compris, Dieu peut continuer à mettre dedans. Mais celui qui est rempli, celui qui est arrivé, qui est riche en esprit, soi-disant, qui pense savoir tout, hein, comme les gens, les New Age, les Nouvel Âge, beaucoup, ils disent, les gourous, ils pensent qu'ils ont tout compris, ils enseignent tout comme s'ils avaient tout reçu. Non! Moi, par exemple, aujourd'hui, ce matin, je sais que je n'ai pas tout compris et je te conseille, toi qui nous suis aussi, de te positionner et dire, je n'ai pas tout compris. Pauvre dans la compréhension de la parole de Dieu. Tu as peut-être lu la Bible 10 fois, mais tu es encore pauvre d'esprit parce qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Et si tu te positionnes toujours à recevoir, tu vas recevoir le royaume des cieux. Mais si tu es déjà rempli, Dieu ne peut pas te donner. Si tu es satisfait des choses d'en bas, ou bien que tu t'es dit, parce que tu n'es pas satisfait, mais tu te dis que les choses d'en bas, c'est ça. Tu as acheté la grosse maison, tu as acheté la grosse voiture, tu as ta belle femme ou ton beau mari, et tu vois mais que tu es malheureux. Tu es pauvre en esprit, tu ne le sais pas. Tu as besoin. Tu penses que tu es riche et voilà pourquoi tu es malheureux. Tu penses que tu es riche et c'est ça qui fait que tu es malheureux. C'est une mauvaise semence. Tu as travaillé pour ça et c'est très bien. Mais tu es quand même malheureux. C'est parce que tu penses que tu es riche en esprit. Tu penses que tu as tout reçu. Tu penses que les leçons, tu peux les donner aux autres et toi, tu n'as plus rien à recevoir. Non, cher ami, si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Parce que tu n'es même pas arrivé au plus petit dans le royaume des cieux. Tu n'es pas encore arrivé. Aux yeux de Dieu qui t'a créé, tu es insensé, en fait. Tout ce que tu as construit va brûler. Pauvres, soyez heureux, heureux, les pauvres en esprit. Rappelez-vous que, Jacques, il a dit, pour être heureux dans son activité, il y a certaines choses à avoir. Et ici, heureux les pauvres en esprit. Il y a les béatitudes, ça nous donne justement, et nous allons pas aujourd'hui parcourir tout, mais nous allons voir qu'il est nécessaire. Nous allons les lire rapidement et nous allons revenir dessus, ainsi que quand le Seigneur nous permettra d'aller dans cet essentiel. Parce qu'encore une fois, ça résume tout. La loi et les prophètes sont ici. C'est ici. C'est le message, un des premiers que Dieu donne, que Jésus donne à la foule, à tous. Il enseigne le royaume de Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a certaines personnes, la vie les a maltraités. La vie les a maltraités. Mais il te dit, tu as été maltraité par cette vie. Tu es né dans une famille qui ne connaît pas Dieu. Tu es né dans une famille avec un père violent, avec une mère qui n'a pas d'affection pour toi. Tu as été peut-être même abandonné. Tu es né dans l'affliction. Tu es né dans les difficultés. Tu es né dans les difficultés. Mais si tu fais appel à Dieu, tu seras consolé. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous savez, la douceur, parce que c'est heureux les doux, c'est la même chose. Heureux les doux, ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Il y a des gens, ils ne peuvent pas se réjouir de la vie des autres. Il y a des gens qui n'ont aucune douceur, qui, lorsque quelqu'un a du succès, ils veulent casser seulement. Il n'y a pas de douceur, ils sont acides. Il y a des gens acides. Il y a des gens vraiment, il faut même aller doucement avec eux. Ou bien quand tu les rencontres avec des gants. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les éviter. Il faut espérer que toi, tu peux les influencer. Mais la Bible dit heureux les débonnaires, ceux qui sont doux, ceux qui cherchent à améliorer la situation des gens. Ils hériteront la terre. Vous voyez, ici, ce sont des semences, au fait. C'est des semences spirituelles. Être pauvre d'esprit, être affligé, mais savoir que Dieu est là pour toi. Cette condition, cette pensée, savoir qu'il y a quelque chose de mieux.
les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, parce que les injustices aussi ont augmenté. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Encore, tu sèmes la miséricorde, tu reçois la miséricorde. Tu as faim et soif de justice, et quand tu as faim et soif de justice, toi-même, tu as tendance à chercher à être juste. Même quand tu ne connais pas Dieu. Parce que là, Jésus, il s'adresse à des gens qui ont été sous la loi. Mais il veut les amener maintenant, il veut les faire monter à un standard nouveau du royaume de Dieu. Heureux ceux qui procurent, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est une promesse. C'est une semence. C'est la loi au niveau de l'esprit, la loi de semer et récolter. Si tu te positionnes comme ça, si c'est ça ta semence, tu vas recevoir ça. C'est la loi de causalité, si on veut. C'est, si tu fais ça, si tu te positionnes comme ça, si tu te dis que tu es comme cela, voici ce que tu recevras. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Encore une fois, il faut que tout ce que tu vis soit à cause de Christ. Il faut que tout ce que tu vis en bon et en mal soit à cause de Christ. Ou bien, donc, la dernière fois, je disais que les graines, nous mettons sur nos graines une information. L'information principale, ça doit être Jésus-Christ. Il faut que tout ce que nous fassions, tout ce que nous disons, c'est ce que nous avons le plus tôt, soit au nom de Jésus-Christ. Déjà, ça nous évite de faire beaucoup de péchés. Ça nous évite de faire beaucoup de mal. Si tu fais tout au nom de Jésus-Christ, si tu dis tout au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas obligé de dire au nom de Jésus-Christ. Non, non, non. Il s'agit d'être dans le caractère de Christ. Et les gens ne vont pas aimer. J'ai dit la dernière fois que quand tu manges des raisins, et qu'il y a les graines dedans, tu veux les recracher. Parce que les raisins, voilà, ils te vendent même des raisins qui n'ont pas de graines dedans pour que tu croques ça vite, vite et tu avales, tu n'as pas besoin de trier dans ta bouche. Mais si il n'y a pas ces graines, tu n'auras pas d'autres raisins. C'est pour ça qu'ils sont importants ces raisins, ces grains, dans les fruits et ainsi de suite. Dans les oranges, pareil. L'ennemi est en train d'inspirer les hommes à faire ces choses-là. Et ce n'est pas de Dieu, dans le sens naturel. Même si, oui, on peut en profiter, on peut manger, on peut apprécier. Mais ce n'est pas vraiment dans le caractère de Dieu. Dieu, il prévoit que ça se multiplie. Il prévoit qu'il y ait la multiplication. Et les graines ne sont pas confortables. Quand tu mets dans la bouche, tu dois les recracher. Si tu... Vous avez déjà mâché une graine d'orange? Si vous mâchez une graine d'orange, c'est amer. C'est amer. Les graines de raisin sont croquantes et c'est comme si tu mangeais presque un caillou. C'est quand tu croques ça, si tu manges ça. Là, c'est aussi amer en plus. Ils font des huiles essentielles, ils font des quoi avec ces graines parfois, parce que ce qui est dedans est précieux. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais ce n'est pas au goût, ce n'est pas bon. La parole de Dieu est ainsi pour l'homme pécheur. Elle n'a pas le bon goût au début. Mais elle va produire la vie dans celui qui allait vers la mort. La parole de Dieu, elle doit te positionner jusqu'à ce que maintenant elle te transforme pour que ce qui n'était pas bon à ton palais devienne bon à toi. Tu sais comment l'utiliser, tu sais comment le rendre précieux. Les fermiers, c'est eux qui comprennent ce principe très bien parce qu'ils savent que les graines, certaines graines, ils doivent les garder précieusement pour les planter encore. Nous entendons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous récoltons beaucoup de choses. Nous semons aussi dans nos vies beaucoup de choses. Quelle est la quantité de paroles que tu mets en toi? Quelle est la quantité de paroles de Dieu que tu mets en toi? Il y a les journaux. Il y a tout ce que nous pouvons suivre, comme disait le pasteur ce matin. Nous pouvons suivre plein de choses ici-bas. Mais quelle est la part de la parole de Dieu que tu mets en toi? Parce que ça va produire, ça va produire. Tu es une terre. Est-ce que tu es une terre fertile pour la parole de Dieu ou bien tu es une terre fertile pour les mensonges du diable? Est-ce que tu es une terre fertile pour les problèmes que le diable provoque sur la terre et qui te font paniquer? Et que tu es comme ceux-là dans Matthieu 24 qui vont paniquer, qui vont avoir peur et les arrêts cardiaques ou bien une mauvaise nouvelle arrive et tu n'arrives pas à tenir? Tu es insensé, la Bible dit. Insensé, fou! Si tu ne construis pas avec la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu utilise bien sûr beaucoup d'images, mais
ce serment sur la montagne, ça synthétise la vie pratique maintenant. La vie pratique. C'est-à-dire que si tu veux savoir quoi mettre en pratique, c'est ici. D'abord, il adresse l'état d'âme. Il adresse ton état par rapport à la parole de Dieu. L'humilité, et si tu es affligé, vous savez, les gens affligés, ils ont été déjà brisés. Il y a un brisement. Et la parole de Dieu va te briser si tu n'es pas brisé. Mais si tu es déjà brisé en toi, tu as déjà compris que le monde est foutu, en fait. Tu as déjà un dégoût pour le monde. Et alors là, Dieu fait un autre travail. Il va te conditionner, il va te rendre un. Parce que les gens qui sont affligés sont déjà brisés. Donc, ils ont une catégorie spéciale. Mais, sinon, si tu es endurci, Dieu va venir, il va venir comme un marteau. Il va te briser d'abord pour te reconstruire tel que lui, il a prévu que tu sois. Parce que tu es sûrement déformé par les choses que tu suis. Que tu sois croyant ou pas, tu peux être déformé par les choses que tu suis. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Et voyez ici, hein, déjà au verset 12 de chapitre 5. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Là, le Seigneur nous donne vraiment, il nous dit les causes et les conséquences. Il nous dit, si nous semons de cette manière, voici ce qui peut arriver. Et même si nous souffrons à cause de cette semence parfaite, qui est la loi parfaite de Dieu, et que les gens le détestent parce que eux, ils ne peuvent même pas. C'est comme si on devient toxique pour eux. Les gens, et c'est vrai, les démons, ils sont remplis de démons. Les gens sont remplis de paroles qui ne viennent pas de Dieu. Ils sont remplis, et les démons, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui, comme cet homme-là, comment il arrive à cette conclusion de se tuer? Comment il arrive à cette conclusion? Il faut se poser ces questions. Pourquoi le suicide augmente et est présent dans beaucoup de pays occidentaux? Là où ils sont riches, là où ils ont déjà tout. Pourquoi c'est là? C'est la preuve que les choses matérielles ne produisent rien de bon. Et c'est la preuve que Dieu n'est pas dedans. Parce que si Dieu était dedans, tu peux être milliardaire, mais tu vas dire non, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et ça, quand tu sens que tu n'es pas encore arrivé, Dieu te donne plus, Dieu te donne plus, Dieu te donne plus. Et il y a des dimensions de sa gloire. Il y a des dimensions de sa gloire. C'est ce qui est bien avec Dieu. C'est que même... Il y a beaucoup de gens qui ont une fausse idée de Dieu et qui se disent, mais dans l'éternité, on va s'ennuyer. Et ils vont même jusqu'à dire, oh non, on va aller en enfer là-bas, on va s'amuser. Les gens sont fous. La Bible dit que tu es insensé si tu dis ça. Mais, dans les choses de Dieu, tu ne fais que grandir en lui. Tu ne fais que apprendre un peu plus de toi et ce qu'il a prévu pour toi, mais aussi de ce qu'il a prévu pour l'humanité, et les merveilles qu'il a prévues. Alors là, ça devient une poursuite pour la gloire de Dieu, pour la science de Dieu, pour la compréhension des choses d'en haut. C'est comme ça qu'on peut être affectionné. On y prend goût. On veut comprendre les choses de Dieu. Et sa parole, c'est là. Ce sont des germes, c'est des semences qui vont produire en nous des révélations, qui vont produire en nous. Parce que l'Esprit de Dieu va venir comme la pluie. Elle vient sur cette parole et elle produit, elle fait pousser ça en nous. Alors, si tu te dis, mais non, moi, ma vie chrétienne, ça ne va pas. Je n'y trouve aucun intérêt. Je n'y trouve rien. Non, c'est parce que, cher ami, tu t'es rempli de mauvaises paroles. Tu t'es rempli de mauvaises semences. Tu es en train de semer pour la destruction. Tu es en train de semer dans ta chair, la Bible dit. Ce qu'on a lu dans Galates. Parce que ceux qui sèment pour la chair vont récupérer, vont recevoir la corruption et la mort. Donc, si tu sens que c'est ennuyeux, il y a un problème avec toi. Tu as besoin que la parole de Dieu... Tu l'écoutes. Tu as besoin de méditer sur ce que Jésus a dit. Cette parole de Christ, c'est ce que nous sommes en train de lire. Là, on va s'arrêter juste sur ces 12 versets. Et après, nous verrons qu'il y a d'autres, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut mettre en pratique. Et nous allons voir que le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. Mais c'est la loi de semer et récolter. Il faut savoir quoi semer. Comment semer pour les récompenses célestes? Nous avons vu, hein, ils seront consolés. Ils vont recevoir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à eux. Hein? Ils vont hériter la terre. Ça, ce sont les récompenses célestes. Et les récompenses célestes, ce n'est pas seulement dans les cieux. C'est dans les cieux et sur la terre. La Bible dit que celui qui a quitté père et mère, frère et sœur, pour moi, dit Christ, ils vont recevoir fois 30, fois 60, fois 100, avec des persécutions. Ou dans cette vie et dans la prochaine. Et donc dans les cieux et sur la terre.
Il y a de vraies promesses qui sont dignes. Le gouvernement, le roi, de la même manière que Dieu juge les gens et les nations, c'est de la même manière qu'il récompense les justes. Il juge les injustes et il juge les justes. Et des fois, on se dit, mais oh, les comment on appelle ça? Les injustes, et il y a des prophètes, même ils disaient, mais Seigneur, jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Les injustes semblent prospérer. Je pense que c'est Malachie. Les injustes semblent prospérer. Mais nous allons y venir justement, rapidement, et nous allons nous arrêter avec ça, parce que je veux encourager quelqu'un, mais non seulement quelqu'un, mais aussi ceux qui sont dans les gouvernements. Nous devons parler aux nations, parce que Dieu s'intéresse à amener des nations à lui-même. Des nations, il veut transformer les nations. Malachie chapitre 3, on va commencer au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Écoutez bien les récompenses. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ça, c'est quel jour? C'est le jour du jugement. Le jour où Dieu va venir donner à toute la terre sa récompense, à toutes les nations leur récompense. Les uns pour la vie, les autres pour la mort. Ce jour terrible. Mais pour ceux qui craignent l'Éternel, c'est pas un jour terrible. Au contraire. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. C'est-à-dire que Dieu, il dit, mais non, mais oui, j'amène la destruction pour tous ces autres méchants-là. Mais mes petits là-bas, là, j'ai compassion. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors, ceux qui veulent servir Dieu, hein, voilà, Dieu vous voit comme son fils. Et vous verrez de nouveau quoi? La différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Même pas celui qui sert le diable, non. Celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, chers amis, il y a un temps où la récompense éternelle, on va dire au niveau macro, c'est-à-dire hein, au quotidien, nous faisons nos vies, nous occupons dans toutes nos activités, nous sommes en train de semer des petites graines à gauche, à droite, tout le temps. Mais si nous le faisons au nom de Christ, nous sommes en train de semer, nous semons. Nous encourageons quelqu'un, nous prions pour quelqu'un, il ne sait même pas pour qui on prie, si on prie pour lui ou pas. Hein, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos amis, nous prions pour nos collègues. Nous sommes en train de semer, nous sommes en train de servir Dieu, nous sommes en train de faire notre rôle en tant que prêtre, nous sommes en train de semer, nous sommes en train de les aimer, même nos ennemis, ceux qui veulent nous persécuter. Nous allons voir ça une autre fois dans Matthieu 5, les lois, le fonctionnement du royaume de Dieu. Nous sommes en train de servir Dieu et il y a un jour où les gens vont voir la différence. Ça sera clair et limpide. Pourquoi? Il y a une promesse. Dieu ne va pas faire subir aux justes ce qu'il fait subir aux méchants. C'est vrai qu'il a dit, dans cette vie, nous pouvons avoir des persécutions. Ça, ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que ce monde, Dieu, il a dit qu'il laisse ce monde que les justes et les injustes poussent dedans en même temps. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Dieu permet que tout cela arrive pour que les hommes fassent leur choix. Nous sommes ici avec des graines. Nous semons pour le bien ou nous semons pour le mal. Mais dépendant de ce que nous semons, nous allons être considérés comme des justes ou comme des non-justes ou des insensés. Et nous allons avoir notre récompense. Ça, c'est une garantie de Dieu. S'il y a une chose, même si tu meurs parce que tu as été martyr, parce que les hommes méchants pour un temps ont eu l'avantage sur toi, tu ne perds rien. Parce que rappelez-vous, nous sommes avec Christ à la droite de Dieu. Et quand il paraîtra, c'est ce que nous avons lu au tout début, quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous êtes martyrs, si vous qui nous suivez, vous êtes peut-être dans des pays où la parole de Dieu n'est pas enseignée, la vraie parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, où Christ n'est pas enseigné, où les paroles de Christ sont interdites. Il y a des pays comme ça, les pays musulmans, les pays où l'islam est renforcé, les pays du communisme, comme en Chine, où ils veulent même réécrire la Bible. Et il faut mettre cette parole dans nos cœurs. Un jour, même dans l'Occident,
ils vont devenir très hostiles à la parole de Dieu. Parce que ça les énerve. Ça les rappelle à quel point ils sont mauvais. Ça rappelle l'homme à quel point il est mauvais. Et même nous qui avons cru en lui, il y a des passages dans la parole qui nous font trembler, qui disent, mais comment je vais m'en sortir? Parce que mais il faut laisser la parole venir agir en toi. Qu'elle coupe, qu'elle enlève les choses parce que on l'a pas lu, mais il faut faire déposer toute souillure. C'est Jacques qui le dit. Il faut enlever toute souillure. C'est pourquoi au verset 21 du chapitre 1 de Jacques, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Il faut qu'on laisse la parole de Dieu agir en nous par son esprit. Il faut que nous puissions déposer cette parole en nous. Et c'est quoi cette parole? C'est les béatitudes, c'est le sermon de la montagne, c'est les paroles de Christ, vraiment les paroles de Christ, et les mettre en pratique. C'est des paroles pratiques, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas quelque chose de mental, c'est pas de l'intelligence seulement, non. C'est considérer ce que Christ a dit et maintenant voir comment tu peux les mettre en pratique. Que tu lises l'Ancien Testament, que tu lises le Nouveau Testament, Dieu, il est clair. Nous voyons que Dieu déteste certaines actions. Il les déteste, il les hait. Il utilise le mot fort. Il hait certaines choses. Et nous devons éviter cela. Nous devons éviter. Si vous voulez savoir comment vivre pour Dieu, vous pouvez aussi lire Deutéronome 28, versets 1 à 15, pour voir comment avoir les bénédictions. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Vous pouvez voir dans Malachie 3, 5 et 6, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, vous qui payez mal vos employés, vous qui abusez, Dieu, il vous voit, qui opprime la veuve et l'orphelin. Il y a des gens qui profitent, il y a des gens, on pense même qu'ils sont amis, et quand leur ami meurt, maintenant ils deviennent comme des prédateurs sur la veuve de leur ami ou sur les enfants de leur ami. Il y a des gens comme ça. J'ai lu une histoire, la femme, elle n'a plus rien trouvé. Les amis de son mari, ils sont venus, ils ont pris tout dans sa maison. Comme si c'était à eux. C'est comme si, il y a des gens qui attendent que les gens meurent juste pour récupérer. Au lieu de dire, mais comment on peut aider cette pauvre femme et leurs enfants, ils sont venus et ils ont tout récupéré. C'était un scandale. C'était quelque part là en Afrique. Il y a des faits divers comme ça qui montrent vraiment la malice, la malignité qui est dans l'homme. Mais sachez que Dieu, il est là. Qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, dit l'Éternel. Ils ne craignent pas qui? Ils ne craignent pas l'Éternel. La Bible dit, et c'est le premier commandement, que nous devons avoir la révérence, je résume ce commandement, nous devons adorer Dieu, un seul Dieu. Et nous devons donc chercher à comprendre comment il fonctionne. Et si on ne fait pas cela, on est en train de semer pour un jugement. Et en tant que nation, c'est pareil. Les nations, c'est pareil. Nous n'allons pas aller sur les nations aujourd'hui parce que ça serait tout un autre enseignement. Mais tout ce qu'on a dit sur l'homme, ça fonctionne à l'individu et ça fonctionne à la nation. Parce que les nations sont composées d'hommes. Il y a des choses, nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que, comme le Seigneur l'a dit ce matin, Dieu est un feu dévorant. Il est le Père aimant, mais il est le feu dévorant. Il est le Père aimant pour ceux qui le servent et qui veulent le plaire. Et il est le feu dévorant qui vient consumer tout ce qui est péché. Et le feu, il a préparé un endroit où il y a le feu éternel. Pour ceux qui se rebellent et qui veulent vraiment suivre, qui disent non, moi le péché, la vie de péché, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux la vie de violence. Je veux la vie de prédation. Je veux cette vie-là. Si tu la veux, Dieu aussi te prépare une place. T'inquiète, tu auras ta récompense. Ça, c'est garanti. Et la Bible le dit clairement. Donc, mon ami, toi qui m'entends ce matin, toi qui, peut-être dans un domaine de ta vie, tu n'arrives pas à laisser la parole rentrer, c'est le moment de prendre une décision. Il faut que les mauvaises pensées te quittent. Pour se débarrasser des mauvaises pensées, il faut appeler que Dieu te délivre. Remplis la parole de Dieu en toi. Laisse-la faire son effet. Laisse-la venir enlever les fausses idées, les faux raisonnements qui ont fait que tu as accueilli ces mauvaises pensées, que le diable t'a envoyé, que les démons t'ont amené, que les films... t'ont amené. Tu regardes les films, tu avales tout ce qu'ils disent sans utiliser l'épée de l'esprit. Je dis pas ne regardez pas les films, mais tout n'est pas utile. Mais si vous regardez les films, si vous regardez les journaux, si vous regardez tout ce que vous ingérez en comme information, ce sont des semences. Et si vous n'avez pas le bouclier de la foi,
qui est finalement la parole de Dieu, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui coupe les mensonges, les lianes là, hein, ces choses qui viennent vous lier, si vous ne coupez pas ces choses, vous allez être emprisonné, même si vous êtes enfant de Dieu, vous allez être un enfant de Dieu qui est irrésolu, qui a des difficultés, qui est comme un... Vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre et vous risquez de perdre votre salut. Et c'est comme ça que le dit la parabole du semeur. Les épines viennent et étouffent la parole. Ne laissez pas la parole en vous être étouffée. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous faisons appel à toi. Nous sommes vraiment loin de la perfection. Nous sommes loin de vivre la loi parfaite de Dieu. Mais toi, tu l'as vécu, tu l'as démontré, tu l'as expliqué et tu l'as démontré. Et tu as accompagné cette parole que les hommes ont reçue et ont vu même qu'il y avait l'autorité. Certains l'ont reçue et ça les a transformés. Ils sont devenus des disciples avec puissance et l'autorité de Christ qui était en eux. Le Saint-Esprit les a accompagnés et ils ont fait des miracles. Ils ont renversé la pensée de puissance, d'empire. Seigneur, nous prions aujourd'hui que nous aussi dans cette fin des temps, que nous soyons transformés par ta parole, que les semences de ta parole grandissent en nous, s'épanouissent en nous, que nous puissions être transformés, que nous puissions aussi devenir des sources, Seigneur mon Dieu, des sources de justice, que nous soyons des chaînes de justice, comme dit ta parole, que nous soyons des chaînes de justice, Seigneur, que nous soyons transformés au point où, oui, Seigneur, nous soyons synonymes avec, Seigneur mon Dieu, Christ. Ô Père, nous savons que c'est ce que tu désires. Nous savons que, Seigneur, tu veux que nous soyons heureux. Tu veux que nous soyons, que nous ayons le succès. Que nous ayons le succès dans nos entreprises, dans nos relations humaines. Seigneur, tu veux tout cela pour l'humanité. Et tu as donné les secrets qui étaient cachés par l'ennemi, qui avaient été usurpés par l'ennemi. Seigneur, mais toi, tu es venu et tu as créé le chemin. Tu as montré, Seigneur mon Dieu, le couloir de la vérité. Tu as montré le couloir de lumière dans ces ténèbres. Tu as créé un couloir de lumière afin que nous puissions non seulement y participer, nous puissions non seulement marcher dedans, mais que nous puissions y participer et attirer une multitude à toi, Seigneur mon Dieu, par la puissance de ton esprit. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous transformes, que nous soyons ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont humbles de cœur, qui reçoivent ta parole et qui la laissent agir, qui la laissent transformer nos vies, qui prend, Seigneur, que ta parole domine nos vies, dans tous les domaines de nos vies, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait l'ombre, que, Seigneur mon Dieu, ta lumière brille dessus, que, Seigneur, tes graines poussent en nous. Que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions, Seigneur, transformer, Seigneur, nos vies, Seigneur, par la parole que nous ingérons, que nous puissions la mettre en pratique et que beaucoup de gens puissent aussi manger des fruits qui sont de nos vies, Seigneur. Que beaucoup aussi puissent, Seigneur, être attirés à toi. Que nous soyons le sel et la lumière. Que nous soyons ces personnes qui amènent l'espoir. Ces personnes qui sont douces, qui amènent l'espoir aux nations, qui amènent la lumière aux nations. Et je prie pour celui ce matin qui ne te connaît pas. Seigneur, je prie qu'il puisse accepter ces paroles, qu'il puisse lire, Seigneur, le serment de la montagne, qu'il puisse méditer cette parole et que, Seigneur, tu le transformes de l'intérieur. Et toi, cher ami qui nous suis, si tu ne connais pas le Seigneur, nous t'invitons vraiment à dire oui à Jésus. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé à travers des rêves et des visions. C'est l'esprit de révélation qui te parle. Mais ce matin, tu as reçu maintenant la sagesse pour savoir quoi faire avec. Tu as besoin de dire oui. Tu as besoin de dire oui, je vois que je suis pauvre en esprit. Je ne comprenais pas tout, les choses d'en haut. Je ne comprenais pas les choses de Dieu. Je ne comprenais pas ces lois, d'où elles viennent. Mais c'est Dieu qui les a mis en place. Et je veux servir ce Dieu-là. Je veux faire partie de la famille de Dieu. Alors, il faut dire oui. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tout homme croit en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas été envoyé pour donner seulement des informations qui sont remplies de révélations. Il est venu pour effacer le péché qui te rend captif. Il est venu pour t'empêcher de continuer à être affligé par même ton passé. Tu es peut-être affligé par ton passé. Tu es peut-être dans le regret des choses que tu as faites. Tu peux dire, Seigneur, j'abandonne toute ma vie, je me donne à toi. Je meurs à mon passé, en toi, Christ. J'accepte de dire que je ne suis plus celui-là. Transforme-moi, viens dans mon cœur et sois mon Seigneur.
Alors, trouve un ami à qui tu dis que tu as accepté Jésus dans ta vie. Trouve quelqu'un à qui tu le dis. Et s'il n'y a personne à côté de toi, dis-le au moins à Dieu et quotidiennement. Je suis enfant de Dieu maintenant. Je t'accepte, Seigneur Jésus. Je te crois, Père Céleste. Tu es maintenant mon Père. Tu n'es pas un orphelin. Tu es maintenant le Fils de Dieu. Tu es maintenant Fils de Dieu. Il y a certains qui ne pensent pas que Dieu peut avoir des enfants. Non, Dieu a des enfants. Je suis enfant de Dieu et tu peux l'être aussi. Il est un bon Père et il est le défenseur des innocents. Tu deviens maintenant innocent aux yeux de Dieu parce que son fils était innocent. Et maintenant, toi aussi, tu deviens innocent. Alléluia. Amen et amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.